Bonjour, c'est Emmanuel Chirache, je suis le rédacteur en chef de 18h39. Là, on a fait beaucoup de route, on s'est perdu, on est loin, on est dans le sud de la France parce qu'on est venu voir Alicia. Et Alicia, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui un jour a décidé de vivre dans la forêt. Bonjour Alicia. Bonjour Emmanuel, enchantée. Alors, tu nous accueilles chez toi. Chez toi, c'est un peu particulier, vous pouvez le voir, c'est pas comme chez tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est exactement? Alors ici, on est dans mon potager en permaculture. Donc c'est le début, hein. On essaye de développer eh bien, un potager, de faire pousser nos légumes et on essaye eh bien de s'inscrire le plus possible en harmonie dans la nature. C'est qui on? Donc moi, je suis en couple avec mon chéri. Ça fait 2 ans qu'on vit ici, dans la forêt. Et on a 2 chiens, Luna et Dali. Et d'accord, alors tu dis permaculture, est-ce que ça veut dire un moment aussi que vous comptez avoir des animaux? Oui, tout à fait. Ouais. Là, on va très bientôt avoir des poules pour faire un poulailler. Et puis par la suite, ben moi, j'aimerais bien développer un projet de micro-ferme, en fait. Donc des petits moutons, des chèvres. Et puis permettre à toutes les personnes qui sont intéressées par ce mode de vie eh bien, de pouvoir venir visiter les lieux, pouvoir apprendre, échanger, partager avec nous. Est-ce que ça vous suffit pour vous nourrir? Non, du tout. L'autonomie alimentaire, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et puis, je suis aussi consciente que je ne pourrai jamais être à 100% autonome au niveau alimentaire. Pour la production de riz, de pâtes, c'est quand même compliqué, ça prend du temps. Comment tu apprends, toi? Alors, je me suis beaucoup renseignée sur YouTube et c'est ça aussi qui m'a donné envie de créer ma chaîne YouTube Vivre en forêt pour justement essayer de partager, avoir le plus de connaissances possible sur le domaine. Et puis après, il y a les livres aussi. En expérimentant, en faisant, en fait, j'apprends tous les jours, petit à petit, des techniques par moi-même, en voyant comment ça pousse, comment la plante se comporte. Est-ce que tu peux nous filer des petites astuces que tu as découvertes? Par exemple, de faire les buttes. Alors c'est vrai qu'ici, j'ai un sol qui est très dur, très caillouteux. Donc, on a fait le choix de faire des buttes de permaculture. Et en fait, en faisant des buttes et en les paillant, eh bien, ça permet de garder l'humidité au centre, de beaucoup moins arroser, de retenir l'eau. Et vous voyez, vous pouvez mettre la main. Et en fait, c'est humide alors qu'il n'a pas plu depuis des jours. Les racines des plantes sont encore dans l'humidité. Donc voilà, c'est une bonne technique que j'ai apprise, par exemple. Donc ça y est, là on est dans la partie, enfin voilà, on est dans ton logement maintenant. Et on est notamment, ça, juste le camion, c'est la chambre. Oui, bah voilà, donc là si tu veux, on l'a aménagé de façon à ce que ce soit notre chambre. Un coin chaud où par exemple l'hiver, ben voilà, on peut venir tranquillou, bien se caler pour lire un livre. Mais on aimerait prochainement bien partir en voyage, aller à la rencontre d'autres personnes avec le camion. Du coup, ça te fait une chambre de combien de mètres carrés, tu sais? Il me semble qu'il fait 11 mètres carrés. Et moi, je me demande, bah, du coup, c'est quoi la différence par rapport à ta chambre d'avant? Alors, ma chambre d'avant, bon, déjà, j'étais en ville. J'avais le bruit des voitures. Là, j'entends les oiseaux qui chantent. Par rapport à ma chambre d'avant, j'avais des volets, par exemple. Ici, j'ai plus de volets, donc je me réveille par exemple avec la lumière du jour. Pour moi, j'ai peut-être perdu un petit peu en confort, mais j'ai gagné en qualité de vie et ça, c'est énorme. Est-ce que tu as un regard sur ta vie d'avant comme quelque chose de... Enfin, qu'est-ce que tu te dis en repensant à ta vie avant? Je pense que ma vie d'avant, ça a été des bonnes expériences. C'est ma vie d'avant qui a fait que je suis là aujourd'hui. C'est ma vie d'avant qui a fait que je me suis posé certaines questions. Donc, je regrette ni mon passé, ni mon présent. Ça s'est passé quand même par étapes, jusqu'au jour où il y a eu un ras-le-bol. Et là, on a été prêts à tout quitter pour venir s'installer en nature. Disons qu'il y a eu quand même quelques petits déclics. Avant, j'ai fait de la photo, donc j'étais modèle photo. Et c'est vrai que j'ai subi un petit peu, comment dire, cette pression du regard de l'autre, de devoir toujours bien apparaître, cette pression sociale aussi, d'avoir une belle voiture, une belle maison. Et puis, je me suis rendu compte, à force, bien que c'était pas vraiment ça qui allait faire que je serais heureuse. Est-ce que ça veut dire que tu coupes aussi avec tes amis, par exemple? Au contraire. Et même, franchement, je suis surprise ben, déjà des retours de ma famille. C'est pas une vie en autarcie. Au contraire, c'est une expérience que j'ai à cœur de partager. Alors, on arrive, parce qu'il n'y a pas qu'un camion, il y a une tente aussi. Une tente de réception. Donc, c'est là qu'il y a mon salon, ma cuisine et ma douche. Je te montre? Pas mal.
Comment est-ce que tu te débrouilles pour l'eau et l'électricité ? Alors bon, déjà, je suis raccordée à aucun réseau électrique ni en eau. Donc pour l'électricité, eh bien, c'est au panneau solaire. Et pour l'eau, j'ai la chance d'avoir un voisin qui a un forage. Et de temps en temps, eh bien, j'ai des grosses cuves de 1000 litres que je remplis. Donc ça fait mon stock d'eau pour quelques semaines. Alors tout n'est pas rose, hein, parce qu'il faut quand même le dire, il y a des petites galères. Tu nous as parlé de tes panneaux solaires. Oui. Donc du coup, bon, qu'est-ce qui s'est passé avec tes panneaux solaires ? Bon, alors mes panneaux solaires, très concrètement, je m'en suis servi que 3-4 mois. Et puis après, ils n'ont plus marché. Donc là, ça fait des mois que je vis sans électricité. Le plus dur, ça va être la lumière, l'hiver, puisque forcément, il fait nuit à 17h. Donc sans électricité, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Ça peut avoir une petite connotation un peu romantique de se dire on va s'éclairer avec que des bougies, tu marches pieds nus, il y a un petit truc un peu Tom Sawyer, un peu enfant sauvage. Est-ce que ça faisait partie d'un truc qui te faisait rêver ? Non, pas du tout. Avant, j'avais jamais réfléchi, j'avais jamais pensé. Et il y a 5 ans, on m'aurait dit, tu vas marcher pieds nus dans la forêt. Franchement, je t'aurais pas cru. Il y a 5 ans, j'étais en ville en train de faire les magasins et de m'acheter des chaussures à talons. Et aujourd'hui, j'ai du mal à remettre des chaussures. L'homme, au bout d'un moment, s'est échappé de la forêt parce qu'aussi, effectivement, il y avait des galères, il fait nuit noire, il y a des animaux. Est-ce que toi, parfois, cette peur-là ressurgit ? Alors très honnêtement, il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Au début, oui, j'avais un petit peu peur quand il faisait nuit, que j'entendais des bruits, je ne savais pas quels animaux c'était. Et puis même les chiens, au début, ils aboyaient à n'importe quel bruit. Et puis après, on apprend à connaître les bruits. On sait que ça c'est un oiseau, on sait que ça c'est un sanglier. Donc on s'habitue. Et là maintenant, j'ai plus peur de sortir la nuit parce que je connais mon terrain, je sais qu'il n'y a rien de dangereux. Donc encore une fois, on est sous ta tente. Je vois qu'il y a du mobilier, il y a plein de trucs. Tu vas nous faire un petit tour du propriétaire. On peut commencer par la table, du coup, puisqu'on y est. Une grande table, une belle table en bois. Belle table en bois, récupérée du grand-père et retapée. Tous les meubles qu'il y a dans la tente, ça a été de la récup. Hein. C'est des meubles recyclés. Donc, si tu veux, je peux te montrer. Donc là, la grande table, ça nous permet de partager des bons repas, de s'abriter aussi quand il pleut. Parce que, en général, on aime bien prendre des repas à l'extérieur quand même. Là, quand tu rentres, ben, tu as mon petit coin jardinage avec mes petits outils de jardin. Donc, par exemple, je fais mon purin d'ortie. Donc, c'est naturel et c'est un engrais en fait, qui permet de stimuler la vie du sol. Ça aide les végétaux à bien grandir. Donc voilà, mes meubles qui me permettent de ranger mes affaires. Mon système de filtration Berkey qui me permet de boire de l'eau potable. Mmh. Et puis là, j'ai ma cuisinière qui me permet de faire de bons petits plats. J'ai un four aussi qui marche au gaz. Donc ça permet de faire des pizzas, des tartes maison, des gâteaux. Et puis là, tu as mon coin de douche. Alors c'est vrai que la première année, on est plein de motivation. Donc le premier hiver, il n'y avait pas de problème. Je me suis douchée là, ça a été. Mais cet hiver, je me suis dit, ça sera quand même un petit peu plus confortable d'avoir un vrai coin de douche. J'ai vu quelque chose d'un petit peu spécial là, juste à côté de nous. Un vélo, un lave-linge, c'est un peu... On va voir, tu vas m'expliquer ce que c'est. Alors voilà, on y est. Donc là, il y a des trucs qui vont pas ensemble a priori. Une machine à laver, un vieux vélo, donc récupéré à la déchetterie. On essaye de récupérer un maximum de matériel, que ce soit à la déchetterie ou dans les poubelles. Et quand on voit tout ce qui est jeté, franchement, on se dit que ça sert à rien d'acheter neuf. Donc là, une vieille machine à laver qui va me servir de machine à vélo. Donc il faut encore qu'on installe le système. Mais en fait, en pédalant le vélo, je vais faire tourner le tambour de ma machine à laver, ce qui va me permettre de laver mon linge plus facilement qu'à la main. Si vous voulez, je peux aller vous montrer un de mes coins préférés, où j'aime bien aller prendre du temps pour méditer. Et c'est ça qui est l'avantage, c'est qu'en forêt, il y a plein de coins différents. On n'est pas limité à une seule pièce, il n'y a pas de mur. Bon, ça, c'est pas du tout deux pierres, hein. c'est un salon, ce sont deux fauteuils. Et tu vas voir, on y est très confortable. C'est pas mal, c'est très bien. Ici, j'appelle ça le domaine des fées. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est un petit peu le côté vieille pierre que j'aime beaucoup. C'est un beau coin, on y est bien. Et puis, je tiens quand même à préciser que c'est un coin qui m'appartient puisque je suis propriétaire de la forêt. J'ai acheté le terrain il y a 2 ans, donc je ne squatte pas les lieux, je suis bien propriétaire. Voilà, et effectivement, même si on a cette image un peu romantique, la vie en forêt, on est pieds nus, ça reste quelque chose aussi de concret. On a acheté un terrain et tu l'as acheté d'ailleurs... Je l'ai acheté 14 000 euros
et fait 5000 mètres carrés sur le bon coin. Bah là, on commence à se rendre compte que c'est pas si inconcevable de vivre ici, que c'est pas si, si difficile. Et est-ce que tu pourrais dire un conseil ou quelque chose à quelqu'un que ça inspire et qui serait tenté? Donc c'est tout à fait possible pour une personne qui a envie de se reconnecter à la nature. C'est revenir tout simplement au vrai sens, à la simplicité et revenir à notre propre nature, puisqu'on est nature. Faut pas avoir de crainte, vous allez voir que vous en avez les capacités. Je suis pas plus forte qu'une autre personne, je suis une jeune femme de 26 ans et pourtant ça fait 2 ans que je vis en forêt. Bah, merci Alicia, c'était vraiment très intéressant de discuter avec toi. J'espère que ça vous a inspiré aussi. Et d'ailleurs, moi je crois que ça suffit. Hein. Ouais.